On a réussi à bien gêner, facilement gêner même. Non, la faute n'est pas signalée à juste titre. La récupération est bonne, elle est très bonne même. Avec Cristiano Ronaldo qui se présente aux abords de la surface de réparation sur son pied droit. Non, il va revenir sur son pied gauche. Oh, elle était belle cette frappe. Elle était magnifique cette frappe même. Malheureusement pour lui, légèrement au-dessus de la cage. Mais première très belle opportunité pour cette équipe d'Al Nassr. Tiens, Kharib, lui en revanche est bien servi par Cristiano Ronaldo. Kharib ! La passe décisive de Cristiano Ronaldo. L'intérieur du pied de Kharib et l'équipe de Cristiano Ronaldo. Al Nassr qui mène 1-0. On va revoir ce but, on va revoir cette passe aussi de Cristiano Ronaldo. Parce qu'elle est belle cette passe, elle est très belle cette passe même de CR7. Oui, c'est lui forcément que l'on filme, c'est lui que l'on montre. Parce que cette passe dans le dos de la défense, elle est magnifique pour Kharib. Trop de joueurs sur le côté. Al Najai qui va essayer de donner un peu de profondeur à Konan. Ah, il ne veut pas regarder à chaque fois. Mais CR7 qui récupère la frappe du pied droit. Est-ce qu'il va oser? Ah, il n'a pas osé du premier coup. Il n'a pas osé. Et on va pouvoir repartir, peut-être, pourquoi pas. Oh, ça c'est bien fait de la part de Cristiano Ronaldo. C'est quasiment un 2 contre 2, 3 contre 3 à jouer avec Kharib. Le contrôle est pas mauvais, mais la passe elle. Ouh, est-ce qu'il n'y a pas main là? Est-ce qu'il n'y a pas main dans la surface? Sur le centre de Kharib avec Al Najai qui avait tenté sa reprise. Et il semble peut-être avoir une main dans cette surface de réparation. L'arbitre qui ne dit rien, je vous rappelle qu'il y a la VAR surtout. C'est bien fait, c'est très bien fait là, 1-2-3 pour permettre à Al Ghamdi de centrer. C'est très bien fait, tout a été bien fait sur le côté droit, le centre est bon et Medran la reprise, elle est belle, elle est magnifique même pour permettre à Al Thawan d'égaliser. Oui, CR7 et blême 1. Alassane récupère haut avec Luis Gustavo. En haut, c'est bien fait là, avec Kharib. Dans la surface, il y a plusieurs solutions. Kharib, Cristiano! Oh! Le geste magnifique de Meilisson pour réussir à repousser cette balle du pied droit. Énorme occasion pour Cristiano Ronaldo pour marquer le but du 2-1. On vous l'a dit, cette égalisation, elle va forcément réveiller tout le monde et réveiller cette équipe d'Al Nassr. Martinez, petit pont validé. Luis Gustavo, Talisca, Cristiano Ronaldo qui demande en profondeur une nouvelle fois, qui a peut-être essayé de le resservir, d'enfiler le crochet et la frappe. La deuxième tentative peut-être avec petit Martinez qui avait tenté de suivre, mais le ballon bien repoussé par la défense. Qui est frappé rapidement, Luis Gustavo le contrôle, la frappe. Oh, c'est CR7 qui repousse et flaire le but. Est-ce qu'il est validé? Non, 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 non. Avec, me semble-t-il, est-ce que Cristiano Ronaldo est jugé hors-jeu? Mais y avait-il hors-jeu? On va revoir l'action, forcément. L'arbitre a rapidement indiqué le hors-jeu. Est-ce que Cristiano Ronaldo potentiellement peut gêner la vision du gardien? Parce que Cristiano Ronaldo, lui, est hors-jeu au final, là, maintenant. Mais est-ce qu'il gêne la vision du gardien? Regardez la tête du gardien, la position de la tête du gardien par rapport à Madou. Et on pourrait peut-être estimer ainsi, sauf que le gardien, il fait le geste quand même. Donc il voit son petit la balle. La décision arrive. Le but est validé. La deuxième passe décisive de Cristiano Ronaldo est validée. Et Al Nassr qui met désormais 2-1 à 10 minutes de la fin sur ce but de Madou et de Cristiano Ronaldo. Une nouvelle fois auteur d'une passe décisive. Là, il n'est pas en jeu. Après, sur sa passe, évidemment, il n'y a pas en jeu puisque Madou est derrière lui. Après, la seule indécision ou la seule interrogation était de se dire est-ce que Cristiano Ronaldo gêne ou pas la vision de Meilisson? Mais non, selon l'arbitre. Oh, avec la balle qui a rendu, la balle de Dodo, la balle de Dodo. Oh, l'énorme occasion pour Al Thawan, l'énorme possible coup de massue.
au-dessus sur la tête des joueurs d'Al Nasser. Mais non, ça passe juste au-dessus. Konan qui avait récupéré la balle. Et cette balle qui est rendue, la balle piquée, l'idée est bonne. Mais il faut la cadrer. On a dépassé les 9 minutes de temps additionnel. Et c'est ainsi que l'arbitre siffle la fin de ce match sur les deux passes décisives de Cristiano Ronaldo. Al Nasser qui s'impose 2 buts à 1. Cristiano Ronaldo, pas buteur, mais donc passeur. Et Al Nasser qui retrouve la tête de ce championnat saoudien.